produit, marque, licence. La stratégie des licences de marque, un levier de croissance et de pérennité des entreprises africaines. C'est avec ce thème que le Forum sur les licences de marque 2024, qui a eu lieu récemment à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a mis en relief les enjeux et les opportunités relatives aux questions de produits, de marques et de licences. Les marques, c'est bien plus qu'un simple nom ou un logo. C'est l'expression d'une identité, d'une histoire, d'un savoir-faire. C'est aussi un gage de qualité, de confiance et de valeur ajoutée. En développant nos marques, nous renforçons notre compétitivité sur les marchés locaux et internationaux. Elles sont des leviers stratégiques qui permettent aux entreprises de se démarquer, d'innover et de se développer sur les marchés locaux et internationaux. En 2023, le secteur des marques et des licences en Afrique représentait une opportunité de marché de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré une augmentation significative du nombre de marques déposées, avec une moyenne de 600 marques, classant ainsi la Côte d'Ivoire dans le top 3 au niveau des dépôts de titres auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Présentations et conférences inaugurales ont été les grandes articulations de ce forum qui a présenté les enjeux de la première édition du Salon de licence en Afrique. Un projet porté par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et ses partenaires avec le soutien des autorités. Le Salon de licence en Afrique aura lieu du 23 au 24 octobre prochain avec au menu des conférences, des tables rondes, des ateliers et des rencontres B2B.